Alors Jean-Pierre, tu viens de terminer. À chaque fois que je te vois, je me marre. Tu viens de terminer ton week-end avec nous. Tu repars avec quoi comme prise de conscience? Je suis venu ici pour découvrir les blocages qui me posaient des problèmes dans les rencontres avec les femmes. Ce week-end m'a permis de lever des voiles sur pas mal de choses. Ouais. J'ai encore beaucoup de boulot à faire. Les exercices de rue ont été difficiles. J'avais beaucoup de mal à bouger, j'étais même tétanisé. Ouais, c'est chaud, ouais. Andrew m'a permis, il a passé beaucoup de temps, il a été très patient pour m'aider à passer ces caps-là. Ouais. Puis tu avais pratiqué un peu en simulation avec Lorana. Tu t'étais entraîné à aborder Lorana avant. Également, ça a permis de dégrossir déjà à ce niveau-là. Ouais. Mais la rue, ça reste quand même assez particulier. Et ouais. Je suis un peu plus à l'aise, c'est vrai. Tu repars avec quoi comme prise de conscience? Qu'on se monte beaucoup de vélos dans la tête et les rencontres de rue, c'est sympa à les faire à partir du moment qu'on a courage de le faire. Ouais. Donc tu as pu lâcher ce vélo-là? Et il est encore un peu présent. Ouais. J'ai du travail à faire. Il y a un pas qui a été fait. Maintenant, c'est de le confirmer. Ouais. Ta meilleure interaction de ce week-end, tu dirais que c'était laquelle? Ah, celle de cet après-midi. Ouais, t'en as fait plus d'une. Laquelle? Samedi, il y avait une anglaise. C'était ma première. Donc, interaction tout en anglais. Et puis, celle d'aujourd'hui. Vraiment, c'était deux femmes d'être délicieuses. Tu peux me décrire un peu le scénario de l'interaction d'aujourd'hui? C'est une fille qui traversait un parc. J'avais vu de loin. Elle a traversé la route. Nos routes se sont croisées. Elle est partie derrière un kiosque. Elle attendait quelqu'un. Et du coup, il y a eu un challenge avec Andrew. Et je suis parti la voir. J'ai sorti mon petit Laïus, ça s'est très bien passé, super souriante. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais du coup, j'avais atteint mes limites. Mais c'est ça pour une prochaine fois. Oui, c'est-à-dire que Jean-Pierre, qui n'avait jamais abordé, c'est ça, il me semble. Maintenant, c'est provoquer la rencontre, démarrer la conversation. Et là où tu bloques, c'est la partie entretenir la conversation, qui peut-être nécessite un peu plus de travail, notamment en simulation. Certainement. Top. Bah écoute, merci pour ta confiance, Jean-Pierre, et bon retour. Merci. Merci à toute la team. Et toi qui regardes, à bientôt. Au revoir.